T'es prêt champion? Eh ben on est parti. Et c'est parti en route pour le Havre, sous la pluie normande, pour un gros match face au PSG, leader du classement, et qui clairement sur papier peut carrément nous mettre la misère. Moi j'espère juste qu'on se prenne pas une énorme dégelée. Même une défaite honorable, ça m'irait très très bien. Si on arrive à marquer, ce serait cool parce qu'on marque pas souvent. Voilà, moi je verrais bien une petite défaite honorable, ça m'irait. Si on chope le match nul, je suis comme un dingue. Si on gagne, je fais le tour du quartier tout nu ce soir. pour l'avant-match que j'ai pas pu faire ce week-end. Donc j'espère des bonnes choses. Et nous voilà arrivés au stade sous la grisaille normande, il faisait froid, il faisait gris, mais il n'y a pas eu heureusement trop de pluie pendant la rencontre. Alors au Stadium Barren Grill était interdit d'accès à la simple plèbe, aux simples supporters, donc on a fait un petit tour au local Akfan dans une ambiance toujours très sympa pour l'avant-match. Et nous voilà donc sur le point de rentrer dans le stade, on est à peu près une heure là avant le début de la rencontre. Il y avait beaucoup de monde déjà qui prenait place aux abords du stade. Et je vais donc vous laisser profiter de la rencontre, de ce match, et je vous retrouve en fin de vidéo pour le débrief. Partenaire officiel du Je vais entendre tout le stade Océane pour le 11 de départ côté Sienne. Dernier rempart d'une défense de fer, notre numéro 30, Arthur Desmas. Patron de la défense, Sienne Marine, notre numéro 4, Gauthier Loris. Serein, sérieux, solide, notre numéro 6, Étienne Youté. De retour pour enflammer son côté gauche, notre numéro 27, Christopher Hopperi. Notre capitaine, made in Cale Verte, notre numéro 93, Aruna Sanlante.
auteur d'une prestation XXL en sélection, comme avec le hack, notre numéro 7, Loïc Nego. Aussi vaillant que technique, une pépite made in KV, notre numéro 8, Yacine Gesta. Métronome de l'équipe, généreux dans ses efforts et juste dans ses gestes, notre numéro 14, Thaler Kouzef. Sentinelle qui donne le tempo du jeu, c'est les marines, notre numéro 94, Abdoulaye Touré. Il retrouve la pointe de l'attaque, ciel et marine, notre numéro 9, Mohamed Bayo. Il retrouve un poste offensif pour affoler son couloir, notre numéro 23, Josué Casimir. Une équipe entraînée par l'excellent Lucas Hester. Thank you.
Ouais. Ben ils sont trompés. Thank you.
Anne, c'est le Paris Saint-Germain qui s'impose face au HAC 2-0. Et par Kylian Mbappé à la 23e. Et il sera pour le match de D1 Arkema entre le HAC et le Paris Saint-Germain. Et puis les garçons, le 16 décembre pour la réception de Nice. Merci à tous et à tous. Et à très bientôt. Salut la team, je vous retrouve pour le débrief du coup de cette rencontre face au PSG. Je fais le débrief directement dans le vlog, comme ça ça m'évite de faire encore un peu plus de montage, sachant que je suis un petit peu à la ramasse en ce moment sur les vidéos. Pour revenir sur cette rencontre, donc moi j'ai vécu déjà, ça c'est le premier bon point, un très bon moment avec mon fils. Il était très très fan de son cadeau d'anniversaire, vous l'avez entendu peut-être sur la fin de la vidéo chanter Allez le Havre, allez le Havre, donc même à 2-0, quand il n'y avait plus aucun espoir, il continuait d'être à fond. Donc je pense que je suis en train d'élever de la bonne graine de supporter, hein, vrai, et ça fait plaisir. Au-delà de ça, donc si je reviens sur le déroulé de la rencontre, on a eu un match assez bizarre, hein, mine de rien. Enfin, j'ai l'impression que ça devient un peu le lot commun des matchs du HAC. Hein, on se tape les matchs chelous à Toulouse, contre Paris, voilà, on se tape les matchs un peu bizarres. Donc faut voir que le PSG s'est quand même pas présenté dans les conditions idéales, parce qu'il y a donc eu un blessé dès la 8e minute de mémoire, puis il y a le carton rouge pour Donnarumma à la 10e minute, alors qui est complètement mérité, hein. Je pense que n'importe qui a mis le ralenti, il n'y a pas photo, le rouge est complètement mérité. Et donc du coup il y a deux changements, enfin deux sessions de changement déjà qui sont cramées en 10 minutes pour Luis Enrique, donc forcément derrière il n'a pas pu trop faire de coaching. Du coup assez logiquement, hein, le PSG s'est replié en défense et a opéré complètement en contre, et ils ont été létaux, hein, sur cette façon de faire, sur cette stratégie, parce que le but de Mbappé et le but de Vitinha viennent sur ce type de relance rapide. Donc voilà, donc derrière on a peut-être fait preuve de naïveté, enfin encore que c'est pas forcément le cas, parce que voilà, quand vous avez Mbappé qui accélère, il est intenable, hein. En plus le but qu'il marque, voilà, il récupère une passe qui est un peu moisie, il arrive à se remettre sur son pied, à faire une frappe précise et puissante en même temps. C'est assez impressionnant, hein, enfin je veux dire, de voir ce type de monstre jouer en live, au Stade Océane. C'est aussi pour ça, hein, qu'on voulait la Ligue 1, c'est pour c'est aussi voir ces grands athlètes-là, même si on espère qu'un jour ils porteront notre tunique à nous, plutôt que celle de l'adversaire. Mais là, ouais, effectivement, il est impressionnant, Mbappé, et les deux, trois fois, pareil, où on l'a vu accélérer, c'était un truc de malade. Côté Havrais, du coup, moi j'ai bien aimé l'entrain, j'ai bien aimé la tenacité. Les 10 premières minutes à 11 contre 11, on était vraiment bien, j'aurais bien aimé voir ce qu'aurait pu donner un match entre guillemets normal à 11 contre 11 pendant toute la rencontre, parce qu'on était vraiment pas mal, on se procure deux occasions franches dans les 10 premières minutes. Après, du coup, paradoxalement, peut-être que ça nous a un petit peu brisé, hein, Lucas Lindner disait en interview d'après-match que c'était pas ce qu'ils avaient prévu de faire au départ, et du coup de se retrouver à 10 contre 11, ça a peut-être un peu, alors pas forcément tétanisé, mais désorganisé un petit peu l'équipe. Et donc il a fait les changements que j'ai trouvé pour le coup très offensifs, hein, mais c'était le bon plan, parce que à la mi-temps, donc il a fait deux changements très offensifs, il fait entrer Alioui et Joujou de mémoire. Et c'était effectivement très bien joué, parce que la deuxième mi-temps, globalement, et sans faire offense à nos amis parisiens, hein, c'était un attaque-défense, je veux dire, on a quasiment pas vu Paris, ils sont sortis aller peut-être trois fois de leur moitié de terrain, bon, une fois pour nous planter un but d'ailleurs, mais ça a vraiment été une grosse emprise des Havrais sur le match. Alors après, 10 contre 11, c'est forcément plus facile qu'à 11 contre 11, hein, je remets pas ça en question, mais on a eu une très très belle partition de nos Havrais, et franchement, moi je suis assez deck qu'on n'ait pas marqué, hein, finalement, parce qu'on a vraiment fait tout ce qu'il fallait pour, mais il nous manque voilà, la précision ou la puissance dans le dernier geste. Je pense qu'on voit bien, hein, sur le vlog que aussi Arnaud Tenas, qui faisait son premier match, hein, c'était son premier match en première division, que ce soit en Espagne ou en France, premier match au top niveau, et le mec il te sort un match exceptionnel. Enfin, je veux dire, il a multiplié les parades de manière assez impressionnante, il a fait un match très 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 solide. Arnaud Tenas, hein, d'ailleurs, il a été félicité par toute l'équipe et par son coach. Désormais, on a pris cette mauvaise habitude côté Havrais de faire briller les cartes adverses, donc c'est un peu gonflant, honnêtement. Mais voilà, ça prouve aussi quand même qu'on se crée des occasions. Je veux dire, si on marquait pas parce qu'on était stérile, qu'on faisait rien pendant 90 minutes, ce serait
vraiment inquiétant pour le coup. Là, c'est juste que voilà, dans le dernier ou dans l'avant-dernier geste, parfois, on n'est pas suffisamment percutant, pas forcément précis, et ça, voilà, ça nous empêche de marquer. Mais on se crée des occasions, hein, contre Paris, c'est 22 tirs dans le match, 7 tirs cadrés, l'XG était à 1,76 de mémoire, donc on aurait dû planter. Mais voilà, il y avait Danilo Pereira aussi, défensivement, qui a fait un gros match, Tenas qui était injouable hier. Et ça fait que voilà, on finit avec des regrets. Alors après, moi j'avais dit en début de match que une défaite honorable m'irait bien. Bon, je pense que j'aurais mieux fait de fermer ma gueule parce que ça me saoule cette défaite en fait, hein, comme toutes les défaites, c'est le côté supporter. Bon après voilà, au moins je suis content, on n'a pas pris un 5-0 ou un 6-0, ce qui aurait mine de rien été tout à fait possible à 11 contre 11. On a fait un bon match, on peut être fier de nos gars, on peut être fier de nos couleurs, on peut être fier des spectateurs aussi et de la fédération des supporters qui ont fait un travail monumental, le tifo était superbe. Donc voilà, ce qui me plaît au-delà d'être remonté en Ligue 1, c'est vraiment la fierté retrouvée à tous les niveaux du club. On sent que ça bosse bien dans le bureau, on sent que ça bosse bien l'entraînement, en match les mecs ils se donnent à fond, ils se foutent le cul par terre pendant 90 minutes, il n'y en a pas un qui a triché, il n'y en a pas un qui a été mauvais, en tout cas vraiment en dessous. Voilà, c'est de la fierté à tous les niveaux et ça franchement, hein, en tant que supporter du Havre, ça faisait un moment que... Je veux dire que ça nous avait manqué, mais qu'on attendait d'avoir toutes ces étoiles qui s'alignent dans le même sens et de faire des saisons vraiment kiffantes. Et là, effectivement, depuis un an et demi, on kiffe à fond et continuez de nous faire kiffer, les gars. Voilà. Si j'ai juste un truc à dire, si jamais quelqu'un dans le club m'entend, je crois pas une seule seconde, mais sait-on jamais, continuez de nous faire kiffer comme vous le faites à présent. Retrouvez le chemin du but, ça nous fera du bien aussi, parce qu'on reste quand même sur 7 matchs sans marquer sur les 8 derniers. Ça, par contre, ça devient un poil inquiétant à mon sens. Mais comme je disais, on se procure des occasions, donc ça va revenir. Il faut être derrière nos attaquants, hein, Nabil, Antoine et Momo Bayo, par exemple. Je pense aussi à Sam Grancy, à Manuel Sabi, hein, dont j'espère qu'il ouvrira son compte en but rapidement. Bref, continuez de nous faire kiffer, continuez de vous faire kiffer, continuez de voilà, de porter fièrement les couleurs Sierra-Morine. Et tant que vous faites ça, tant que vous êtes à fond sur le terrain, que vous trichez pas, vous inquiétez pas que les supporters seront derrière vous, il n'y a pas de souci. Donc franchement un beau match en tribune, un beau match sur le terrain, le résultat qui suit pas, mais en même temps on jouait des monstres en face, donc voilà, on peut pas non plus tout le temps gagner. Et ça faisait pas forcément partie des matchs sur lesquels on s'attendait à gagner de toute façon, hein, puisque voilà, c'est pas entre guillemets notre championnat. Hein. Nous, on vise pas le titre, on vise pas la Ligue des Champions, on vise un petit maintien. On vise les 15 premières places, ça nous ira très bien. Donc voilà, c'était un match de gala, on en a profité, on a kiffé en coulisses, on a battu aussi le record d'affluence du stade, donc ça c'était bien. Tout le monde, je pense, voilà, a fait sa partition. Pas de regret par le résultat. Donc voilà, c'était Lasty. Je vous retrouve le week-end prochain pour un match qui s'annonce probablement plus abordable, en tout cas sur le papier, parce que nos Wagmen se déplaceront à Strasbourg. En attendant, la team, passez une bonne semaine et on se retrouve le week-end prochain. Ciao.